était une fois, dans l'Empire Céleste, la Cha-Cha-Tu-Tu. C'était un oiseau plus petit qu'un moineau. Mais si la Cha-Cha-Tu-Tu était toute petite, elle n'en était pas moins très jolie. Et surtout, elle avait une voix de jade. Elle habitait un nid douillet dans un pin majestueux comme une pagode. Tous les ans, au cours du printemps radieux, elle couvait 3 petits œufs blancs. Mais elle n'avait jamais pu être maman, car un serpent très gourmand venait les manger. La pauvre Cha-Cha-Tu-Tu ne pouvait rien faire. Elle était bien trop petite. Seulement, cette fois, elle décida d'aller demander de l'aide au phénix. C'est l'empereur et le protecteur de tous les oiseaux. Il est grand et fort. Il l'aidera sûrement. Mais le phénix habitait très loin, tout là-haut dans le ciel. Son nid était un nuage scintillant. La Cha-Cha-Tu-Tu vola longtemps, longtemps pour y arriver avec ses petites ailes. Enfin, elle se prosterna au pied du phénix. Il était grand comme un éléphant, avec un bec d'acier et un plumage doré. Elle lui raconta ses malheurs et lui demanda de l'aide. Mais le phénix l'écouta à peine et lui dit « Je suis très occupé. Je dois moi aussi couver mon œuf et j'ai beaucoup d'affaires à régler. De toute façon, c'est à la mère de surveiller ses enfants. Alors débrouille-toi toute seule. » La pauvre Cha-Cha-Tu-Tu redescendit sur son arbre. Elle pleurait. Elle était désespérée. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle prit une épine de pin dans son bec et se cacha au fond de son nid. C'était le serpent si gourmand qui venait voir s'il y avait des œufs. Il s'enroula autour du tronc, de la branche. Il se dressa devant le nid. Mais tout à coup, la Cha-Cha-Tu-Tu se leva et hop, elle planta l'épine dans l'œil du serpent. Oui ! Il eut si mal qu'il tomba de la branche pour atterrir sur le dos d'un tigre qui passait là. Et le tigre eut si peur qu'il se mit à courir, et il plongea dans la mer, juste à côté d'un requin. Et celui-ci eut si peur qu'il s'enfuit au fond de l'océan. Il fila, telle une fusée, à toute vitesse, comme s'il avait le feu aux fesses. Et il fonçait droit sur le roi dragon qui se tenait devant son palais de nacre. Oh là là ! Le roi dragon eut si peur qu'il sauta en l'air pour l'éviter. Et il sauta si haut, qu'il cogna le nuage du phénix. Le nid de l'empereur des oiseaux se renversa et patatras, son œuf se cassa en 1000 morceaux. Alors le phénix, rouge de colère, attrapa le roi dragon et lui dit, tout en le secouant, « Te rends-tu compte de ce que tu as fait, imbécile ? Tu as cassé mon œuf, et je ne ponds que tous les 100 ans !»« Oh, arrêtez !» dit le dragon tout tremblant. « C'est la faute du requin qui m'a fait peur !» Alors le phénix lâcha le dragon pour attraper le requin. Mais celui-ci, tout tremblant, répondit que c'était la faute du tigre. Alors le phénix attrapa le tigre, qui tout tremblant répondit que c'était la faute du serpent. Alors le phénix attrapa le serpent qui, tout tremblant, répondit que c'était la faute de la Cha-Cha-Tu-Tu.
Alors le phénix attrapa la chacha-tutu, qui lui demanda pourquoi il était en colère. « Comment ? Tu ne sais pas ce que tu as fait ? Tu as fait mal au serpent, qui a fait peur au tigre, qui a fait peur au requin, qui a fait peur au roi dragon, qui a cassé mon œuf que je ne ponds que tous les 100 ans. Et tout est de ta faute. »« Oh, mais pas du tout, » répondit la chacha-tutu. « C'est la faute du phénix. Il m'a dit de me débrouiller toute seule. C'est ce que j'ai fait, et voilà ce qui est arrivé. Apprenez, grand phénix, empereur des oiseaux, que toutes les choses que vous faites, comme l'écho, vous reviennent. » Alors le phénix remonta sur son nuage, et il attendit 100 ans pour avoir un autre œuf. Et pendant tout ce temps, il réfléchit à la leçon. Quant à la chacha-tutu, débarrassée du serpent, elle put enfin avoir beaucoup d'enfants.